Serge, tu peux nous expliquer pourquoi c'est faire cette journée trouvaille ? C'est pour trouver du matériel, pour essayer de construire de nouvelles chaises ou décors pour l'atelier corps et images qui va servir à une représentation spectacle le 20 février. Spectaculaire le 20 février, suivi d'autres en mars ou en avril. La chaise, c'est en fait l'acteur principal du spectacle. Au départ, c'était une chaise recyclée, donc c'est une seconde vie pour la chaise, mais en même temps, elle a un rôle ingrat, puisque c'est le rôle, elle représente l'instrument de torture ou l'instrument sur lequel où les personnes qui ont des problèmes sont fixées. Mais c'est un petit peu normal quand, par exemple, dès que tu es un peu hors norme, que ce soit dans ta tenue, que ce soit dans tes propos, que ce soit dans tes idées, que ce soit dans tes gestes, là, le public qu'on a, il peut se retrouver en psychiatrie derrière des murs. Donc, l'instinct, c'est un peu de se mettre des limites, tu vois. Donc, le travail, c'est justement de les bousculer, ces limites, et de dire, mais on peut s'autoriser à faire non, un endroit pour aller plus loin, quoi. C'était déchiré, mais ça pendait, ça faisait joli, parce que ça faisait comme un vortex, là. Et hop, ils l'ont déchiré, mais bon, j'ai quand même réussi à... C'est une chaise handicap. Chaise handicap. Ben disons que là on peut plus s'asseoir, quand tu la montres aux gens, c'est quoi? C'est une chaise. Ouais, mais dans sa fonction de chaise, on peut pas s'asseoir, on a les fesses qui dépassent. Donc, mais c'est toujours une chaise. Donc c'est intéressant. Un homme avec un handicap, c'est toujours un homme. À un moment donné, une autre photo de chaise, d'un coup, je sais pas qui, enlève. Des habits. Non mais tiens, c'est joli. Comme si c'était une personne cette chaise, tu vois, c'est quand même une métaphore. Après, tout dépend de ce qu'on veut dire. De toute façon, on invitera Sylvia pour savoir est-ce qu'elle est d'accord quand même, on est tous ensemble. Oui. Hein, oui. Voilà, mais nous on a des envies, c'est de les manifester, elle aussi, et on va arriver, de toute façon, j'en suis sûre, à trouver quelque chose de commun. Eh bien, le projet Rhizome représente pour moi de la danse. Et lorsque je danse, je me sens très bien. Enfin, de toute façon, on est toujours en contact avec cette chaise, mais comme si c'était un être vivant presque, quoi, parce qu'elle est là quand même, elle a une forte présence au début. Et donc du coup, on rentre en contact avec cette chaise, et quand on sent l'impulsion d'y aller, on y va, on propose quelque chose, quelqu'un vient compléter, on s'en va, etc., etc. Et donc ça... Je ne sais pas combien de temps ça va durer, encore une fois, mais il faut penser, donc la musique aussi, ça peut vous aider. Au début, c'est assez progressif, et puis après, ça explose. C'est vraiment le moment où, là, après, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas hésiter, même si vous êtes à plusieurs à y aller, c'est pas grave, il faut vraiment que ça soit, que ça pulse. Plus le spectacle avance, c'est plus elle est malmenée, jusqu'à la libération des acteurs. C'est-à-dire que, après, les acteurs s'émancipent et puis essaient de voler leurs propres ailes. Et d'arrêter de passer, de suivre le troupeau et de chercher leur propre voie. Autrement dit, le savoir dit à la fois ce qui est et ce qui doit être. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel individu, bon, bien sûr, il est assigné à une place, mais il est ensuite travaillé en permanence pour être en quelque sorte remis dans la norme, si je puis dire. Voilà.
Là, il y a une fonction aussi très, très importante de la médecine, hein, puisque la médecine va permettre de, c'est ce qu'on verra, je pense, la prochaine fois, de faire apparaître cette norme comme naturelle. Hein, et finalement, cette branche-là de la médecine va peut-être nous porter à croire que, bien, il est normal au sens, j'allais dire, médical du terme, c'est-à-dire non pathologique, de se comporter comme ceci. Et que ne pas se comporter comme ceci, être un petit indiscipliné, c'est anormal, non seulement du point de vue moral, etc., mais du point de vue médical, c'est pathologique. C'est-à-dire que rhizome, c'est une arborescence, c'est une plante qui pousse dans la terre, et qui se développe dans la terre, et c'est ce qui permet en fait de faire un travail un peu dans l'ombre, un petit peu dans la coulisse, mais qui en apparence, dans sa réalité, ne se voit pas, mais se ressent. Et on va reprendre tous les rites, on fait tout en même temps. Et puis d'un coup, une décharge, on revient à une vitesse. Ce qui faisait autrefois, dans la médecine des aliénistes, qu'une conduite pouvait figurer comme symptôme de maladie mentale, ce n'était ni sa rareté, ni son absurdité, mais le petit fragment de délire qu'elle recelait. Toi, t'as le bruit dans l'oreille quand tu marches, du coup, ça te fait le clignotement. Il y a quelqu'un, un moment, qui va se lever, qui va se placer où il veut, dans l'espace, et les autres, donc, viennent se mettre tout autour. D'accord ? C'est pas lui qui sera forcément le meneur du troupeau. Voilà, à l'écoute. Et on va se bien couper. Ça, j'avais cette impression, j'étais contente. Au début, j'étais très émue, j'avais envie d'harmoniser le tout, au début. Et après, c'est venu naturellement. Et on va par contre voir le truc avec les objets. Pas les trucs, les gestes avec les objets dangereux. Donc on fait des traversées, et puis à un moment, quand vous avez envie, vous venez faire votre acte là. Mais toi, ton acte, tu le fais avec tes bras, surtout, c'est oui, ça. Et ben donc c'est ça qui est important. C'est oui. Et n'oubliez pas de venir saluer la caméra de temps en temps. On n'est pas encore assez bien discipliné. On regarde cette petite structure disciplinaire qu'est sa famille. Il n'est pas encore assez bien ajusté au niveau de discipline. Du reste enfin, social, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'il y retourne. En fait, ce staff me semble terriblement un tribunal qui va décider de ce qu'ils font, de la direction qu'ils vont prendre, etc. Mais par exemple, si on t'avait dit, par exemple, il y a 5 ans, on va te filmer et on j'aurais va. J'aurais dit non, parce que l'appareil prend tout, c'est un bon. Ça m'a permis de rester autorisé. À me reprendre confiance en moi, aux autres,
avoir de l'assurance, ça, dire que je n'étais pas si bête que ça, parce que j'arrivais à faire du mouvement, reprendre confiance en moi. Quoi.